je vais corriger donc maintenant l'exercice 4. Donc, l'exercice 4, donc, on a une expression complexe, z' égale a moins i sur 2, a moins i sur 2, z, moins 2 plus 2i, c'est xy moins 2x moins 3y plus 1. Moins 2x moins 3y plus 1 est égal à 0. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f. Donc f, ici, c'est la forme complexe d'une similitude indirecte, plutôt directe. Donc f est une similitude directe de rapport k égale module de 1 moins i sur 2 qui est égal à racine de 2 sur 2. Donc, argument de 1 moins i sur 2. Argument de 1 moins i, c'est moins pi sur 4. Moins pi sur 4 modulo 2 pi. De centre, le point d'affixe Z0, par exemple, égale, la formule c'est B sur 1 moins A. B égale A moins 2 plus 2I sur 1 moins A, 1 moins 1 moins I sur 2. Qui est égal à moins 2 facteur de 1 moins I, même dénominateur 2 moins 1, 1, moins moins i plus i, le tout sur 2, qui est égal encore, moins 2 fois 2, moins 4, facteur, 1 moins i au carré, le conjugué de 1 plus i, c'est 1 moins i, donc 1 moins i au carré, sur z, z bar, c'est-à-dire donc sur 2, qui est égal, 1 moins i au carré, moins 2i, fois moins 4, 8i sur 2, qui est égal, enfin, 4i, donc, F est la similitude de centre A, par exemple, de coordonnées 0,4. Voilà, 0,4. De rapport racine de 2 sur 2, d'angle moins pi sur 4. Donc ça, c'est pour la similitude. Déterminer la nature, plutôt, déterminer l'équation cartésienne de C' image de C par F. Donc l'équation de C, c'est xy moins 2x moins 3y plus 1 égale 0. Donc pour trouver l'équation de C', l'image de C, il faut trouver une relation entre les coordonnées d'un point M quelconque de coordonnées xy en fonction des coordonnées x'y' d'un point M'. Pour pouvoir remplacer par la suite x et y par les expressions, leurs expressions qui sont en fonction de x'y'. Puisque c, c'est une relation entre les x et les y, donc c', c'est une relation entre les x' et les y'. Pour cela, donc, j'ai besoin de x, y en fonction de x'y'. Donc, on a deux façons de déterminer cette relation. Soit en utilisant la similitude S moins 1, F moins 1, donc c'est la similitude de même centre A, de rapport racine de 2, d'angle pi sur 4, et on va essayer d'écrire la forme de cette similitude, la forme complexe. La deuxième méthode, c'est on détermine Z en fonction de Z'. Donc, comme vous voulez, donc Z' est égal à 1 moins I sur 2 Z, moins 2 plus 2I. Donc, Z' égale, je vais déterminer donc, essayer de déterminer donc Z en fonction de Z'. Donc, Z égale donc 2 sur 1 moins I, puisque j'ai divisé par 2 sur 1 moins I, Z'.
Moins 2 plus 2i, donc plus 2 moins 2i, et j'ai divisé aussi par donc 2 sur 1 moins i. Donc z prime plus 2 moins 2i, z prime plus 2 moins 2i, j'ai divisé les deux par 1 moins i sur 2. Donc ici c'est l'inverse, 2 sur 1 moins i, et voilà c'est 2 sur 1 moins, plutôt sur 1 moins i sur 2. J'ai divisé par 1 moins i sur 2. Donc z est égal, multipliant par 1 plus i, donc 2 fois 1 plus i sur 2, conjugué de 1 moins i, fois z prime, plus 2 facteurs 1 moins i sur 1 moins i. Donc 1 sur 2, ça devient fois 2. Donc fois 2 en haut. Donc plus 2 fois. Donc z est égal, 2 simplification par 2, donc 1 plus i z prime plus simplification par 1 moins i, donc plus 4. Donc z en fonction de z prime, z égale à 1 plus i z prime plus 4. Donc puis je vais passer à la forme algébrique de z et de z prime pour trouver la relation. Donc je vais poser z égale à x plus y i, donc z prime égale à x prime plus y prime i. Donc, z est égal à 1 plus i, z prime plus 4, z x plus y i, égale 1 plus i, fois x prime plus y prime i, plus 4. Donc, x plus y i égale, je développe donc 1 fois x prime, y prime i fois i moins y prime, carré, plus 4. Plus i facteur x prime, y prime fois i fois 1, y prime. Donc, x prime plus y prime. Donc, identification. Donc, x égale x prime moins y prime plus 4, y est égal à x prime plus y prime. Et c'est la relation entre les points, le point M de coordonnées x, y, et les coordonnées d'un point M' x', y'. Donc, pour pouvoir passer donc, de C à C', de l'antécédent à l'image, il faut trouver la relation x-y en fonction d'x', y'. Donc, je vais donc passer maintenant à la détermination de C'. Donc, M de coordonnées x-y appartient à C, équivaut à dire que xy moins 2x moins 3y plus 1 est égal à 0. Je remplace x et y, donc x c'est x prime moins y prime plus 4, donc x prime moins y prime plus 4, que je multiplie x prime plus y prime, plus que fois y, moins 2 fois x. Mais x c'est x prime moins y prime plus 4. X prime moins y prime plus 4. Moins 3y. Y x prime plus y prime. Plus 1 égale à 0. Équivaut à dire que x prime moins y prime fois x prime plus y prime. C'est x prime carré moins y prime carré. 4 fois x prime plus y prime, plus 4 x prime plus 4 y prime. Moins 2 x prime, moins moins plus 2 y prime, moins 2 fois 4 moins 8, moins 3 x prime, moins 3 y prime, développement, plus 1 est égal à 0. Et qui va dire que x prime au carré, moins y prime au carré, 4x prime moins 2x prime, 2x prime, 2x prime moins 3x prime, moins x prime. 4y prime plus 2y prime, 6y prime moins 3y prime, 3y prime. Les constantes, moins 8 plus 1, moins 7, égale à 0. Donc, x prime et y prime sont les coordonnées de M prime. Donc, l'équation de C prime, c'est x prime
carré moins y prime carré moins x prime plus 3y prime moins 7 égale à 0. Mais on a dit que l'équation, toujours enfin, on la donne en fonction de x et y. Donc on peut dire que l'ensemble c prime est x carré moins y carré moins x plus 3y moins 7 égale à 0. X et y donc sont quelconques. Donc x et y dans c prime ne sont pas les x et y dans c. Donc ça c'est l'équation de c prime. Donc c prime, l'équation c'est x carré moins y carré moins x plus 3y moins 7 égale à 0. Ça va pour cette question ou non? Donc je vais réécrire ce système puisqu'on aura besoin. Donc x est égal à x' moins y' plus 4. Y égal x' plus y'. Donc, déterminer l'équation de C', image de C, déterminer la nature des éléments caractéristiques de C'. Donc, C', c'est d'équation, donc, C', donc, x carré moins y carré moins x plus 3y. Moins 7 égale à 0. La première étape, c'est ramener les x ensemble, c'est-à-dire c' d'équation. X carré moins x, c'est x moins 1 demi au carré. Et je retranche 1 demi au carré, 1 quart, forme canonique. Moins y carré moins 3y. Moins 7 égale à 0. Donc, c'est prime d'équation x moins 1 demi au carré, moins 1 sur 4, moins y moins 3 demi, moins moins plus, donc 3 sur 4 au carré, 9 sur 4, moins 7, égale à 0. C'est prime d'équation, donc x moins 1 demi au carré, moins y moins 3 demi au carré égale moins 1 quart plus 9 quart, donc 8 quart, donc 2, 2 moins 7 moins 5, donc égale à 5. Je divise le tout par 5, donc x moins 1 demi au carré moins y moins 3 demi au carré, je divise les deux par 5. L'objectif, c'est trouver la forme grand x carré sur a carré grand y carré sur b carré est égal à 1. Donc ça, c'est l'objectif. Donc, c'est prime d'équation grand x au carré sur 5 moins grand y au carré sur 5 est égal à 1. Donc, je vais noter oméga prime de coordonnées 1 demi, 3 demi. Donc, avec, je vais écrire le système avant, avec grand x égal x moins 1 demi, grand y est égal à y moins 3 demi. Donc, posons par exemple oméga prime de coordonnées 1 demi, 3 demi, 1 demi, 3 demi, oméga prime centre de l'hyperbole, puisque c'est l'équation réduite d'une hyperbole. Donc, c' prime, c'est l'équation
c'est l'équation réduite d'une hyperbole. C'est l'équation réduite d'une hyperbole dont oméga prime i j. Supposons que le repère c'est oij. Avec oméga prime centre de C prime. Donc, une fois on a trouvé la forme x carré sur a carré égale carré sur b carré. Donc, ici a égale à b égale à racine de 5. Remarque, lorsque a égale à b, l'hyperbole est dite équilatère. Hyperbole équilatère lorsque a égale à b. Donc, a égale b égale racine de 5. Je détermine l'excentricité avant tout. L'excentricité, c'est C sur A. Mais C, c'est quoi? Dans l'hyperbole, C, c'est racine de A carré plus B carré. C carré égale A carré plus B carré dans l'hyperbole. Donc, racine de 5 au carré, racine de 5, les 2 au carré, donc 10, ça fait 10, donc racine de 10. Donc, racine de 5 au carré plus racine de 5 au carré, 5 plus 5, 10, racine de 10. Donc l'excentricité C sur A est égale à racine de 10 sur A, A est égale à racine de 5. Donc, qui est égal à racine de 2, puisque 10 sur 5, 2, donc racine de 2. On voit bien que racine de 2 est supérieure à 1. L'excentricité dans l'hyperbole est toujours supérieure à 1. Donc, ça, c'est l'excentricité. Je vais passer maintenant donc à la détermination des caractéristiques. Donc, je vais noter ce système puisqu'on aura besoin aussi. Donc, grand X égale à X moins 1 demi, grand Y est égal à Y moins 2 demi. Où je vais. Grand X égale à X moins 1 demi, grand Y est égal à Y moins 3 demi. Pour déterminer les caractéristiques, donc, je vais construire donc le tableau suivant. Donc, le tableau, voilà qu'est-ce qu'il y a dans le tableau. Donc, les éléments caractéristiques. Ici, donc, c'est toujours dans oméga i j. Donc, dans oméga prime i j, puisque c'est prime, j'ai appelé oméga prime, dans o i j. Pour les foyers, je vais les appeler f prime 0, f prime 1, puisque c'est prime. F prime 0, c'est de coordonnées c 0, la formule c 0. Donc, f prime de 0, c'est, on a dit que c'est racine de 10, racine de 10. Donc racine de 10, 0. F prime 1 moins C, 0. Donc F prime 1 de coordonnées moins racine de 10, 0. Ça c'est pour les foyers. Les directrices. Grand X égale A carré sur C. Mais on a dit que A c'est racine de 5, 5 au carré, donc 5, plutôt 5 sur C sur racine de 10. Qui est égal 5 racine plutôt 5 racine de 10 racine de 10 5 sur 10 donc reste 2 racine de 10 sur 2. Grand X égale moins A carré sur C qui est égal à moins racine de 10 sur 2. Puis, on doit passer au repère OIJ en utilisant
ce système, ce sont les grands X et les grands Y, je dois passer au petit X et petit Y. Donc, pour cela, donc F' 0, petit X, j'ajoute 1/2, puisque petit X égale grand X plus 1/2. Donc, j'ajoute 1/2 aux abscisses, donc racine de 10 plus 1/2, j'ajoute 3/2 aux Y, puisque Y égale grand Y plus 3/2. Donc, 0 plus 3/2, 3/2. Donc, ça, c'est F' 0. F' 1. De coordonnées racine de 10 plus 1/2, plutôt moins racine de 10, moins racine de 10 plus 1/2, 3/2. Pour la directrice, grand X est égal, petit x devient, petit x est égal grand X plus 1/2. Donc racine de 10 sur 2 plus 1/2. Racine de 10 sur 2 plus 1/2, qui est égal à racine de 2 de 10 plus 1 sur 2. X est égal moins racine de 10 plus 1 sur 2. Donc, ce sont les deux directrices. Donc, je vais noter encore une fois, on aura besoin de ces caractéristiques. Donc, F' 0 de coordonnées racine de 10 plus 1/2, 3/2, F' 1 moins racine de 10 plus 1/2, 3/2, directrice X est égal racine de 10, X égale racine de 10 sur 2 plus racine de 10 plus 1 sur 2, X égale à moins racine de 10 plus 1 sur 2. Ce sont les éléments caractéristiques. Donc les caractéristiques d'une hyperbole sont excentricité, foyer, directrice. Troisième question. On déduit plutôt dans la même question, on déduit C. Donc, pour déterminer les éléments caractéristiques de C, je vais utiliser la similitude. Donc, la similitude, on connaît ces primes. Donc, si un prime appartient à C prime, donc, je vais noter M' avant tout. Toujours, donc, on doit utiliser la définition géométrique lorsqu'on utilise l'image par une similitude. Donc, je vais noter F' foyer de C'. D', directrice de C'. Puis, H'. Projeté orthogonal d'un point variable M' sur D'. Donc C', c'est l'ensemble des points M tels que M', F' sur M', H' est égal à l'excentricité E, et on a trouvé l'excentricité est égal à la racine de 2. Donc l'image d'une conique par une similitude est une similitude, sauf qu'il faut démontrer ça. Donc il n'y a pas dans le cours. Donc on a l'image d'un cercle, d'une droite, d'un segment, mais on n'a pas l'image d'une conique. Donc pour cela, donc je vais noter donc F2, puisque on travaille avec les images. Je vais noter par exemple F-1 de M' est égal à M. F-1 de F' égal à F. F-1 de H' égal à H. Et F-1 de la directrice D' est égal à D. Donc, puisque F-1 de M' égale à N,
f moins 1 de f prime égale à f. Donc, mf sur m prime f prime est égal au rapport de la similitude. Le rapport de la similitude f moins 1, c'est racine de 2, puisque f, c'est racine de 2 sur 2, 1 sur k. F moins 1 de m prime égale à m. F moins 1 de h prime égale à h. Donc, m prime h prime, plutôt m h, sur m prime h prime, égale à racine de 2. C'est la définition de la similitude. Donc, on obtient donc mf sur m prime f prime égale mh sur m prime h prime. Donc, mf sur mh égale m prime f prime sur m prime h prime. Donc, m prime f prime sur m'h'. Mais m'f' sur m'h' est égal à l'excentricité racine de 2. Donc, mf sur mh est égal à racine de 2. Donc, on obtient la définition d'une hyperbole. Mais il faut vérifier ça. Comment on vérifie? La similitude f-1 conserve le contact. Le contact et l'orthogonalité donc puisque h prime projeté orthogonal donc h prime projeté orthogonal de M prime sur D prime, donc H aussi projeté orthogonal de M sur D. Mais puisque F prime n'appartient pas à D prime, puisque dès le départ, C prime c'est une hyperbole, donc F prime n'appartient pas à D prime, donc obligatoirement F n'appartient pas à D. C'est la définition de l'hyperbole conique d'une façon générale. Le foyer ne doit pas appartenir à la directrice. Donc, on peut dire maintenant que, puisque mf sur mh égale à racine de 2, on a vérifié que h projeté de m sur d, la définition, et on a vérifié que f n'appartient pas à d, donc h plutôt c est l'hyperbole d'excentricité E égale la même excentricité racine de 2, les caractéristiques dans un tableau comme tout à l'heure. Je vais maintenant déterminer les caractéristiques en utilisant la similitude. Donc, puisqu'on sait donc f, on sait donc x prime et y prime, et on doit faire arriver à x, à x et y. Donc, puisque c, c'est x et y. Ça, c'est l'expression analytique de la similitude. Donc, pour les foyers, c'est simple. Puisque l'image par similitude, je vais appeler ZF prime 0, ZF prime 1, plutôt ZF prime 0. Donc, on a donc ZF prime 0 est égal à F de F0. Donc, F0 qu'on la recherche, c'est égal à F moins 1 de F prime 0. Donc, je vais utiliser f moins 1, la réciproque. C'est-à-dire, donc, dans tous les cas, je vais déterminer x, y, et voilà les x et y. Donc, j'ai x, y en fonction d'x prime, y prime. Donc, par exemple, donc, je vais mettre un tableau
comme tout à l'heure. Donc, ça, donc, c'est les éléments caractéristiques. Ça, donc, c'est C prime. Ça, c'est C. Pour C prime, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a les foyers F prime 0 de coordonnées racine de 10 plus 1,5, 3,5. Donc, pour trouver F0, donc, x égale x' moins y' plus 4. Donc, la différence des coordonnées, x' moins y' plus 4. Donc, x' moins y', c'est-à-dire racine de 10 plus 1,5 moins 3,5, la différence. 1,5 moins 3,5 moins 2,5, donc moins 1. Pour trouver l'ordonnée, y, c'est x' plus y'. On fait la somme. Donc, la somme, c'est racine de 10. 1,5 plus 3,5, 4,5. Mais 4,5, c'est 2. Donc, plus 2. Ça, c'est F0. Pour F1, F'1, c'est moins racine de 10 plus 1,5, 3,5. Donc, F1, les mêmes valeurs, donc juste moins racine de 10, ça, moins 1, moins racine de 10, plus 2. Ça, c'est les foyers. Pour les directrices, maintenant. Les directrices, tout à l'heure, on a trouvé x égale racine de 10, plus 1 sur 2. La deuxième directrice, x égale moins racine de 10, plus 1 sur 2. Ça, en fait, c'est une image. Puisque image, réellement, c'est x'. On doit arriver à x. Donc, je dois déterminer la x' en fonction. Pour déterminer x' en fonction, ici, je vais faire la somme. Si je vais faire la somme x' plus x', j'obtiens 2x', y' moins y', 0, 2x' plus 4, puisque j'ai fait la somme, égale la somme x plus y. Donc, x' est égal x plus y moins 4 sur 2. Ça, c'est x' qui est réellement cet x, puisque c'est l'image x', donc, et ça, c'est une image. Donc, l'équation de la directrice devient, je remplace tout simplement x par toute cette expression, car x' égale cette expression. Donc, l'image en fonction des antécédents. Donc, je vais remplacer x par, donc, x plus y moins 4 sur 2 est égal à racine de 10 plus 1 sur 2. J'ai remplacé x par x plus y moins 4 sur 2. Donc, x plus y moins 4 sur 2 est égal à racine de 10 plus 1 sur 2. Et pour ça, donc, x plus y moins 4 sur 2 égale moins racine de 10 plus 1 sur 2. Ce sont donc les deux directrices de l'hyperbole C. Je sais que c'est un peu difficile, mais vous pouvez la comprendre. En fait, ici, c'est l'image par une similitude. N'est pas une chose réservée au conique. Ici, j'ai déterminé l'image d'une droite par une similitude. Donc, ça, c'est pour les caractéristiques de C. La dernière question, quatrième question. On note delta 1, delta 2, les asymptotes de C, et 1 et 2, leur vecteur directeur. Montrez que l'équation de C, dont le repère OU1 et 2 est de la forme xy égale à k, ou k constante que l'on déterminera. Donc, je dois déterminer ici delta 1, delta 2 et oméga. Pour delta 1, l'asymptote, c'est l'image de delta prime 1. Donc, pour delta prime 1, puisque j'ai déterminé donc C prime. C prime, donc, on a trouvé que A égale à B. La formule de l'asymptote, c'est delta prime 1, donc Y est égal, grand Y, puisque on va faire un changement,
Grand Y est égal à la formule C moins B sur A grand X, grand Y delta 2, delta prime 2, grand Y égal à B sur A grand X. On a A égal à B, donc delta prime 1, c'est Y égal à X moins X, delta prime 2, Y est égal à X. Donc on doit revenir donc au repère OUV pour trouver donc OUV, voilà le système, grand X, grand Y. Donc je vais déterminer X et Y. Donc petit X égale à 1 demi plus grand X. Donc delta prime 1 d'équation, donc grand Y, je remplace grand Y donc par Y moins 3 demi égale moins grand X égale à moins X plus 1 demi. Ce qui nous donne donc Y, X plus Y, donc moins 3 demi, moins 1 demi, c'est moins 3 demi, c'est moins 4 demi, moins 4 demi, c'est moins 2, c'est égal à 0. Ça, c'est delta prime 1. Donc, delta prime 2. Donc, delta prime 2, grand Y égale à X. Grand Y égale X, donc grand Y c'est Y encore moins 3 demi, égale grand X qui est X moins 1 demi. Donc, X moins Y, moins 1 demi plus 3 demi, moins 1 demi plus 3 demi, donc plus 2 demi, donc plutôt moins 1 demi plus 3 demi, donc 2 demi 1. Donc, X moins Y plus 1 égale à 0, ce sont les deux asymptotes. Mais nous, on n'a pas besoin de ces asymptotes, on a besoin des asymptotes delta 1 et delta 2, qui sont les images par la similitude. Et la similitude, voilà donc le système. En fait, delta prime 1 et delta prime 2, ça ne sont que des images, ce sont des x' moins y'. Ce sont des x' et des y', voilà. Donc, si delta prime x plus y moins 2, voilà x' plus y' à quoi égale la fonction de y, puisque ce sont des images. Donc réellement, si on écrit autrement ces équations, ça n'est autre que x' plus y' moins 2. Donc je vais reformuler les équations. Donc puisque delta prime image, delta prime image, donc d'équation x' plus y' moins 2, car x' y' sont les images, est égal à 0. Donc, pour trouver donc delta 1, x' plus y', voilà à quoi est égal. X' plus y' est égal à y. Donc y moins 2 est égal à 0. Donc c'est l'équation de delta 1. Donc delta 1, y moins 2 est égal à 0. Delta prime 2. Delta prime 2, c'est x' moins y' plus 1. C'est x' moins y' plus 1 égale à 0, puisque ce sont des images. Et qui veut dire que delta 2, donc, x' moins y', voilà à quoi est égal. X' moins y', c'est x moins 4. Donc, x moins 4 plus 1. Plus 1 est égal à 0. Donc, x moins 4 plus 1, c'est x moins 3 est égal à... x moins 3 est égal à... plutôt... x moins 3 est égal à 0. Donc, les deux asymptotes. Donc, x moins 3 est égal à 0. Donc, nous, on a besoin de quoi, donc? De U1 et U2. Ce sont les vecteurs directeurs de delta 1 et delta 2. Donc, U1. Donc, si delta 1, y moins 2 est égal à 0. Donc, U1, je vais appeler U1 de coordonnées moins BA. Moins BA, c'est-à-dire moins 1, 0. Moins 1, 0 ou 1, 0, c'est la même chose, sont collinaires. Moins 1, 0 ou 1, 0, c'est la même chose. Delta 2. Delta 2, c'est x moins 3 est égal à 0. X moins 3 est égal à 0. Donc, U2, de coordonnées, moins BA, B égale à 0, si le coefficient de y est 0, donc 0, 1. Donc, 0, 1, ce sont les deux vecteurs directeurs, U1 et U2. Donc, une fois qu'on a déterminé U1 et U2, déterminons maintenant oméga.
Ça va ou non? Y a-t-il une question dans cette partie? Je vais attendre une minute pour voir s'il y a une question. Je passe. Donc, je vais passer. Donc, oméga, c'est l'image de oméga prime par S par F moins 1. Donc, puisque donc, oméga prime de coordonnées, on a dit que c'est 1 demi, 3 demi. Donc, oméga de coordonnées, donc, ce sont des x, y. C'est-à-dire, donc, pour arriver à oméga, donc, la différence des coordonnées plus 4. Donc, la différence des coordonnées. Donc, 1 demi moins 3 demi, moins 2 demi, moins 1, plus 4, donc 3. L'ordonnée, c'est la somme x prime plus y prime, x prime plus y prime, 1 demi plus 3 demi, 4 demi, qui est 2. Donc, oméga de coordonnée 3, 2. Comme tout à l'heure, donc je vais essayer d'écrire l'équation dans le repère oméga u 1 et 2. Pour cela, donc, je vais... Comme tout à l'heure, donc m de coordonnées x, y dans O, U, plutôt I, J. M de coordonnées grand x, grand y dans oméga U, V. Donc je vais recommencer la démonstration. On n'aura plus besoin de ces deux. Donc, non, plutôt, on a besoin, je vais les ici. Donc, on a dit que U1, c'est de coordonnées 1, 0. U2, de coordonnées 0, 1. Donc, oméga prime, oméga, de coordonnées 3, 2. Donc, ça sont les données dont on aura besoin. Donc, j'ai dit donc comme tout à l'heure, donc, M de coordonnées x, y dans O, I, J. Même point M de coordonnées grand x, y dans oméga U1, U2. Donc, OM d'une part est égal à XI plus YJ. D'une autre part est égal à grand X fois U1. Je vais laisser ça, on aura besoin par la suite. Et OM plutôt oméga M. Oméga M de coordonnées grand X U1 plus grand Y U2. Ça, ce sont les données. Donc, OM égale, je vais intercaler oméga, puisqu'il s'agit d'un point aussi. Tout à l'heure, les vecteurs qui sont changés, cette fois, les vecteurs et l'origine. Donc, je vais intercaler oméga, donc O oméga plus oméga M. O oméga, c'est XI plus OM, c'est XI plus YJ. O oméga, oméga de coordonnées de 3, 2. Donc, 3, 2, donc 3i plus 2j. Oméga m, c'est grand X fois U1, fois U1, plus grand Y fois U2. Donc, XI
plus YJ égale 3Z plus 2J plus U1, c'est de coordonnées 1, 0, donc X, I. U2, 0, 1, donc Y, J. Donc X, I plus YJ égale 3Z plus XI, c'est 3 plus XI en facteur. Plus 2 plus YJ en facteur. Identification donc, on obtient donc X égale 3 plus X. Petit Y est égal 2 plus Y. Et ça, c'est le système qu'on va utiliser pour passer de l'équation à une autre. Donc, X égale 3 plus X, 2 plus Y. Donc, M de coordonnées X, Y appartient à C, équivaut à dire que X, donc je vais me faire la démonstration ici, puisque le calcul est un peu lent. Donc, je vais donc réécrire ce système. On va l'utiliser. Donc, X égale. X égale. 3 plus grand X. Y égale. 2 plus grand Y. Donc, M de coordonnées X, Y appartient à C, équivaut à dire que X, Y, moins 2X, moins 3Y plus 1 est égal à 0, équivaut à dire que X, c'est 3 plus X, fois Y, c'est 2 plus Y, moins 2 X, moins 2 fois, mais X, c'est 3 plus X, moins 3 fois, 2 plus Y, plus 1 est égal à 0. Donc, je développe 3 fois 2, 6, plus 3 fois Y, plus 2 fois X, moins X et plus XY, moins 2 fois 3, moins 6, moins 2X, moins 3 fois 2, moins 6, plutôt, moins 6, voilà, moins 6, moins 2x, moins 3 fois 2, moins 6, moins 3y, plus 1 est égal à 0. Donc, 3y, moins 3y, 2x, moins 2x, 0. Il reste donc xy, 6, moins 6, 0, moins 6, il reste moins 6, plus 1, moins 5, xy égale à 5. Donc, d'où l'équation de C, dont oméga U1, U2, X, Y égale 5. Cette équation est appelée équation d'une hyperbole rapportée dans un repère rapporté aux asymptotes. Donc, rapportée aux asymptotes. Fini pour cet exercice. Donc, si vous voulez, s'il y a une question, peut-être. Y a-t-il une question?